Watukufu, Timouezine, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de débuter cette semaine en votre compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, dans l'actualité, un nouveau diplôme universitaire disponible au Centre universitaire de Dembéni pour la rentrée 2016. Un diplôme qui porte sur le fait religieux et la laïcité reconnue et soutenue par le ministère de l'Intérieur. À qui s'adresse cette formation? Quels en sont les objectifs? Pour nous en parler ce soir, la rédaction accueille le maître de conférence en droit Aurélien Siri. Dans l'actualité également, les incendies qui ont ravagé le sud de l'île ce week-end. Quelles en sont les causes? Explication avec Pierre Bellucci au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 10 octobre. Le projet de loi sur l'égalité réelle en Outre-mer, jusqu'alors en examen, sera voté demain à l'Assemblée nationale. Ibrahim Aboubakar a saisi l'occasion pour déposer un amendement sur le droit du sol à Mayotte. Celui-ci stipule que l'un des deux parents doit être en situation régulière au moment de la naissance de l'enfant, pour que ce dernier acquière la nationalité française. Mais est-ce constitutionnellement parlant possible? Plus d'informations dans votre journal. La campagne de l'ADI a débuté ce matin à la mairie de Mamoudzou. Bandrélé, Chikoni, Amjago ou encore Chirungi, l'organisme de microcrédit sillonnera le territoire cette semaine pour promouvoir la création d'entreprises. En partenariat avec les municipalités, le but est d'accompagner les entrepreneurs dans leur démarche. Zoom sur une campagne qui va à la rencontre de la population dans votre journal. Samedi dernier, l'Espace Info Énergie, en partenariat avec l'ADEME et l'EDM, a organisé Place de la République, la fête de l'énergie. Énergie renouvelable, travaux de rénovation, équipement électrique, gestes du quotidien, l'objectif était de montrer que tout un chacun, à son échelle, peut œuvrer pour diminuer les impacts du changement climatique. Retour sur cet événement ludique et convivial à la fin de cette édition. Et on débute cette nouvelle page d'information avec le projet de loi relatif à l'égalité réelle en Outre-mer. Ce projet sera voté en séance plénière à l'Assemblée nationale demain après-midi. En attendant et avant de s'envoler pour Paris, le député Ibrahim Aboubakar a tenu une conférence de presse ce matin afin notamment de revenir sur son amendement concernant le droit du sol à Mayotte. Un amendement qui stipule que pour acquérir la nationalité française, tout enfant né sur le territoire doit au moins avoir l'un des deux parents en situation régulière au moment de sa naissance. Un sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Le projet de loi relatif à l'égalité réelle en Outre-mer est source d'espoir multiple pour le 101e département. Et mardi dernier, alors que ce dernier était examiné à l'Assemblée nationale, le député Ibrahim Aboubakar a déposé un amendement proposant de revoir l'acquisition de la nationalité française à Mayotte par le droit du sol. Parmi les amendements que j'ai défendus, effectivement, j'ai défendu un amendement concernant l'aménagement du droit du sol à Mayotte. C'est-à-dire dénoncer, chercher une solution pour remédier à ce trafic qui s'est installé au fil des temps où on vient à Mayotte spécifiquement pour des naissances à la maternité liées effectivement à l'acquisition de la nationalité française. Il faut trouver une solution pour stopper cela en amont. C'est cela l'aménagement du droit du sol. Alors, c'est un débat qui est là depuis plus de 12 ans. Les uns et les autres en parlent. Personne ne l'a jamais mené jusqu'au bout. Moi, j'ai décidé de le mener jusqu'au bout. Et donc, j'ai déposé un amendement à l'Assemblée nationale, à la suite duquel le gouvernement s'est engagé à saisir le Conseil d'État. En effet, l'amendement a immédiatement été retiré du projet de loi afin que le Conseil d'État l'examine et donne son avis sur le sujet. Il faut dire que l'amendement est unique et stipule que pour acquérir la nationalité française, tout enfant né sur le territoire de Mayotte doit au moins avoir l'un de ses deux parents en situation régulière au moment de sa naissance. Le Conseil d'État n'a pas eu à donner son avis pour la simple raison que ça n'a jamais été mis dans un projet de loi. Et pour des motifs de sécurité juridique et pour des motifs de transparence, compte tenu que dans la presse, depuis plusieurs années, l'idée que cette disposition ne serait pas conforme à la Constitution est agitée par les uns et les autres, j'ai estimé que ce débat doit être poursuivi dans la transparence et en toute sécurité juridique. J'ai donc accepté cette proposition de saisine du Conseil d'État. Le Conseil d'État va donner son avis. On aura cet avis avant la fin de l'examen de ce texte, de manière à ce qu'on puisse décider en fonction de l'avis du Conseil d'État.
En effet, depuis des années, le droit du sol fait débat et nombreux sont ceux à droite comme à gauche à vouloir l'adapter aux réalités du territoire. Seulement jamais le Conseil d'État ne s'est encore penché sur la question et ce projet de loi représente une occasion unique de savoir ce qui est faisable ou non avec l'obtention de la nationalité française. Parallèlement à cela, j'ai demandé au rapporteur du projet de loi, l'URL, qui me soutient dans cette démarche, qu'au sein de l'Assemblée nationale, on mène les auditions nécessaires pour, là encore, auprès des spécialistes du droit de nationalité, clarifier cette question. De cette façon-là, s'il est possible de le faire et que ce n'est pas contraire à la Constitution, il faut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. S'il y a de vrais obstacles constitutionnels, qu'on sache lesquels, et que les Mahorais soient éclairés de manière à ce qu'on ne vienne pas leur promettre des choses qui seraient impossibles. En effet, à l'approche des élections de 2017, la question du droit du sol revient dans tous les discours politiques. Les promesses sont nombreuses sur le sujet, mais sont-elles véritablement transposables dans la loi française ? Réponse prochainement. Et à noter que le député Ibrahim Aboubakar se porte candidat pour sa succession en vue des élections législatives de 2017, affaire à suivre. Nous restons au Parlement, mais cette fois-ci direction le Sénat avec le sénateur Abdourahmane Swali. Souvenez-vous, en avril dernier, le bureau du Sénat avait levé son immunité parlementaire. Il y a tout juste une semaine, il avait été placé en garde à vue afin de répondre aux questions des enquêteurs sur une affaire qui nous ramène en 2012 alors qu'il était encore maire de Mamoudzou. En effet, le sénateur dit Ladjo est soupçonné de corruption et de substitution de recel d'abus de biens sociaux pour avoir possiblement favorisé une entreprise dans une commande publique. Actuellement à Paris, il a accepté de répondre à nos questions. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. En 2012, alors qu'il était maire de Mamoudzou, Abdourahmane Swali s'est lié d'amitié avec le patron du groupe Tahiti Transit. Ce dernier, également basé à Mayotte, visait le marché public de la ZAC de Mtsapéré. Problème, l'entreprise en question a fait l'objet d'une procédure judiciaire en raison de dépenses frauduleuses dont certaines auraient bénéficié aux sénateurs de Mayotte. Il n'en fallait pas plus pour que ce dernier fasse l'objet d'une enquête pour soupçon de corruption et suspicion de recel d'abus de biens sociaux. La gendarmerie serait tombée en étudiant sa comptabilité sur des dépenses qui me concernent. Comme le dirigeant de cette société dispose aussi d'une société à Mayotte et qu'il avait déclaré s'intéresser au projet d'aménagement de la ZAC Mtsapéré, que ma majorité municipale avait porté pendant mon mandat de maire entre 2008 et 2014. Les enquêteurs ont très vite considéré qu'il devait y avoir un lien et que j'étais pleinement au cœur de je ne sais quelle entreprise de favoritisme, ce qui n'est évidemment pas le cas. Le sénateur aurait bénéficié de cadeaux particulièrement généreux, notamment un voyage à Los Angeles, comprenant billets d'avion, hôtel ou encore visite sur place, pour un coût estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. De quoi semer le trouble, même si le parlementaire affirme qu'il s'agissait là uniquement de cadeaux liés à l'amitié profonde qui liait les deux hommes. Peut-être j'étais naïf, mais pour moi, il s'agissait des dépenses faites par un ami sur ses fonds propres. Même si vous êtes invité, même généreusement, vous ne demandez pas à celui qui vous invite comment il paye ses dépenses. Vous imaginez le fait que les éléments que j'ai découverts lors de mon audition ont pu avoir sur moi. Je tiens enfin à préciser qu'aucune société de cet entrepreneur n'a travaillé pendant la durée de mon mandat de maire pour le compte de la commune de Mamoudzou, ni bénéficié d'un quelconque marché public. En effet, aucun candidat n'a été retenu pour ce projet de ZAC qui a été arrêté en 2013. Depuis, la nouvelle municipalité a d'ailleurs relancé un appel à projet pour le terre-plein de Mtsapéré. La présomption d'innocence doit donc rester de mise, puisque l'enquête suit son cours, même si le sénateur sait pertinemment que cette affaire risque de lui porter préjudice, lui qui pourrait être candidat à sa propre réélection en 2017. Je regrette que cette affaire essaie de porter
un coup à ma probité, à mon image, à quelques mois près des échéances électorales. Mais je ne me déroberai de la ligne que j'ai toujours appelée de mes voeux, la tenue d'une justice impartiale. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour dire aux Mahorais qu'il existe plusieurs façons de faire la politique. Aujourd'hui, c'est peut-être moi qui me trouve sur la sellette. Mais demain, je vous remercie. Et comme évoqué dans notre édition de vendredi, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, lance sa toute nouvelle campagne intitulée « Il n'y a pas d'âge » pour créer sa boîte. Ce matin, les membres de l'organisme ont tenu une conférence de presse à la mairie de Mamoudzou en présence de chefs d'entreprise qui ont bénéficié d'un micro-crédit octroyé par l'ADI. Durant 4 jours, la structure va sillonner l'île afin d'inciter de futurs entrepreneurs à se mettre à leur compte. Partons à la rencontre des patrons de demain dans ce reportage d'Abbas Alidi, Pierre Bellucci et de Leslie Mignonnet. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. La nouvelle campagne de l'ADI a débuté ce matin à la mairie de Mamoudzou. L'organisme du microcrédit professionnel s'est ainsi allié aux municipalités afin d'encourager, de soutenir et d'accompagner tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise sur un territoire qui en a bien besoin. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi, aux seniors notamment. Donc moi, j'encourage toutes les personnes, notamment la jeunesse et aussi les seniors, à ne pas hésiter et à se lancer dans cette entreprise, puisque franchement, pour moi, c'est porteur d'avenir par rapport au fonctionnariat. C'est vrai qu'être fonctionnaire, c'est la stabilité, etc. Mais quand on est un chef d'entreprise, ne serait-ce qu'une entreprise de taille moyenne ou petite entreprise, il y a la possibilité de pouvoir fructifier son affaire, il y a la possibilité de pouvoir se faire beaucoup d'argent, et il y a la possibilité de grandir, et on est mieux, et on vit mieux, on peut même apporter plus dans la société que quand on est juste fonctionnaire ou salarié quelque part. En plus, on crée son propre emploi, et on peut créer de l'emploi pour les autres aussi, et Mayotte en a besoin, puisque le taux de chômage est assez élevé ici. De nombreux entrepreneurs soutenus par l'ADI à leur début possèdent aujourd'hui plusieurs salariés. Et l'objectif de cette campagne est de dénicher dans les différentes communes de l'île d'autres futurs créateurs d'emplois. Les créateurs d'entreprises ou les chefs d'entreprise soutenus par l'ADI sont eux-mêmes créateurs d'emplois, puisqu'ils sont très souvent en tout cas amenés à embaucher, amenés à avoir des salariés. Donc un chef d'entreprise ne crée pas que son propre emploi. En moyenne à l'ADI, les chefs d'entreprise que l'on soutient, donc pour un emploi créé, c'est 1,6 emplois au total. Donc il y a bien des chefs d'entreprise qui embauchent. Voilà, toute cette semaine d'information est réalisée en partenariat avec les communes dans le cadre de nos actions respectives en zone politique de la ville. Donc cette semaine, nous sommes à la mairie de Mamoudzou. Demain, nous serons à la mairie de Bandrélé. Mercredi, nous serons à la mairie de Chikoni. Jeudi, nous serons à la maison des services publics de Hamjago. Et vendredi, nous serons à l'école maternelle de Chirangué. Plus de 65% des entreprises financées par l'ADI sont toujours en activité après 3 ans d'exercice. À l'image de Zaytoun, qui n'a cessé de développer son commerce depuis maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai créé mon entreprise grâce à ADI. Par rapport à ce qu'avec eux, les démarches financières, je trouve qu'ils nous facilitent beaucoup par rapport à la banque. Et aussi, ils ont un suivi avec nous. Je me dis que c'est quand même important d'avoir des gens qui vous suivent derrière, parce qu'on en a vraiment besoin à Mayotte. Véritable exemple s'il en est, cette chef d'entreprise était présente ce matin afin d'apporter son expérience et parler de son vécu à tous ceux qui aimeraient, comme elle, se lancer dans l'entrepreneuriat. Je leur dis de oser le faire. On a quand même des personnes compétentes à Mayotte qui peuvent nous suivre, qui peuvent nous aider. C'est juste avoir les bonnes idées et avoir la force de le faire, et le moral, le physique, parce que c'est important. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Et moi, je peux leur dire la preuve, je suis là. Et bientôt, je veux quand même agrandir mon magasin et plus embaucher.
parce que c'est important quand même, dès qu'on est entrepreneur, qu'on voit qu'on s'en sort bien, de donner la chance aux autres aussi, aux jeunes, parce qu'il y en a quand même qui finissent le lycée, qui ont le bac, qui veulent quand même avoir un boulot sur la vente. Créer de l'emploi dans un département où le taux de chômage dépasse les 35%, voilà également le but d'une campagne utile à l'ensemble de la société. Parlons d'éducation. À présent, on le sait à Mayotte, l'éducation est un domaine qui rencontre bien des difficultés majeures. Et le lycée d'enseignement adapté Espérance pour enfants en difficulté n'échappe pas à cette règle. Créé en 2012 et géré par l'AGEPAC et Apprenti d'Auteuil, certains professeurs de cet établissement privé ont décidé, avec le soutien de leur directeur Antoine Duhaut, de se rendre en métropole dans le but d'échanger avec leurs collègues enseignants. On écoute ce professeur sur le départ au micro d'Abbas Alizi. Ici, dans notre métier, déjà la première des choses, on rencontre un problème, on a un problème de formation. Justement, on va aller en métropole un peu voir quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de mieux prendre en charge les élèves, de mieux les accueillir. Et on a l'espoir de revenir encore mieux enrichi de cette expérience. Éducation toujours, je vous le disais en titre, le centre universitaire de Dembéni va proposer un nouveau diplôme universitaire intitulé « Valeurs de la République et religion ». Cette formation porte sur le fait religieux et la laïcité et elle est reconnue et soutenue par le ministère de l'Intérieur. Pour nous en parler ce soir, nous accueillons Aurélien Siri, maître de conférence en droit au CUFR, mais aussi responsable de cette nouvelle formation. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors nous savons, nous sommes dans un département où il y a plus de 95% de la population qui est musulmane et vous proposez donc cette nouvelle formation intitulée Valeurs de la République et religion. Pourquoi c'était important de créer localement cette formation ? Alors le diplôme d'université Valeurs de la République et religion n'est pas vraiment nouveau. Il existait déjà l'année dernière sous l'intitulé Valeurs de la République et Islam. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été les premiers à Mayotte à créer ce diplôme d'université. Il n'y en a que 16 actuellement en 2016, en France métropolitaine, et on a même été les précurseurs avant l'Université de La Réunion. Il s'agit de répondre d'une part à une proposition qui était contenue dans le document stratégique Mayotte 2025, une ambition pour la République, une proposition de formation à la connaissance de la laïcité, et d'autre part, la création de ce diplôme s'inscrivait plus largement dans la dynamique impulsée par le gouvernement français sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Intérieur, en février 2015, avait souhaité la création de formations civiles et civiques sur le fait religieux et donc destinée au futur ministre du culte, et le Mayotte avait souhaité participer à ce mouvement. Elle prend véritablement tout son sens ici sur le territoire. Sur quoi porte exactement du coup cette formation ? Alors la formation a un triple objectif. Le premier objectif, c'est de transmettre un socle de connaissances dans trois domaines. D'une part, la laïcité et les institutions de la République. Ensuite, les grands principes du droit du culte. Et enfin, les sciences humaines et sociales des religions. Ensuite, il s'agit de développer des compétences pour les personnes qui vont travailler dans des institutions cultuelles et préparer notamment les aumôniers à leur future mission dans les établissements pénitentiaires, hospitaliers et des armées. Et enfin, promouvoir la connaissance du fait religieux afin de permettre des espaces de dialogue entre personnes de cultes différents. Alors c'est une formation donc proposée au CUFR de Dembéni. Qui peut y prétendre ? Est-ce qu'il y a seulement une catégorie de personnes ou c'est plutôt un large public ? Alors cette formation est ouverte cette année à tout public, sans conditions académiques, dans la limite des places disponibles, qui seront au nombre de 35. Donc sont visés par cette formation, je pense notamment tout d'abord aux ministres du culte, qui sont sur le territoire, qui sont arrivés récemment sur le territoire, les imams, les maîtres coraniques, les cadis, leurs secrétaires greffiers, les fonctionnaires du conseil départemental, élus, agents de préfecture. Tout le monde peut véritablement y prétendre. Tout le monde peut prétendre s'inscrire à cette formation. Vous venez de le dire, les places sont limitées, il y a 35 places, il y a déjà beaucoup d'inscrits.
Alors actuellement, nous avons nous sommes en relation avec le conseil départemental qui souhaiterait proposer cette formation aux maîtres couraniques, à certains cadis et secrétaires greffiers qui n'ont pas pu s'inscrire l'an dernier. Et également, nous avons des candidatures de la part d'enseignants. D'accord. C'est au CUFR, pardon. Quel est le coût de cette formation ? La formation se déroule effectivement au centre universitaire de Mayotte. Les cours auront lieu le soir de 16h à 19h et le samedi afin de permettre à ceux qui travaillent de pouvoir s'y rendre. Le coût de cette formation varie en fonction des publics. Nous avons souhaité des coûts assez faibles pour permettre à tout un chacun de pouvoir candidater et s'inscrire à cette formation. Il est de 100€ pour les fonctionnaires du conseil départemental exerçant des missions tels que caddie, maître coranique, secrétaire greffier. Il est de 300€ pour les personnes qui, sur leurs fonds propres, souhaiteraient poursuivre cette formation et de 500€ en cas de prise en charge par une entreprise ou un institutionnel. Quelles sont les dates pour débuter cette nouvelle formation ? Alors, il y aura une présentation officielle sans doute le 22 octobre prochain. Les cours débuteront le 24 octobre et on a jusqu'au 19 octobre pour s'inscrire en déposant un dossier auprès de Madame Warda Alifa, du Centre universitaire de Mayotte, qui est la responsable administrative. Les coordonnées se trouvent sur le site internet du Centre universitaire de Mayotte avec l'indication des pièces à fournir pour candidater. Merci beaucoup Aurélien Siri de nous avoir expliqué ce qu'était cette nouvelle formation. Je le rappelle, valeurs de la République et religion. Vous êtes donc maître de conférence en droit au CEUFR de Dembéni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans transition maintenant, des avancées notoires pour les collectivités dans le projet de loi 2017. Une bonne partie du sud de l'île ravagée par des feux illégaux dus à la culture sur Brûly ce week-end. Mais aussi le navire El Djanfari qui vient enrichir l'offre maritime régionale. Ces sujets font également partie de l'actualité de ce lundi 10 octobre. Tout de suite, c'est l'actualité en bref. Alors que les reconduites à la frontière se poursuivent à un rythme jamais atteint depuis plusieurs semaines, un problème de taille se pose actuellement. Depuis trois jours, le navire Maria Galanta est bloqué à Anjouan au port de Moutsamoudou. En effet, l'équipage du bateau a été pris par les douanes comoriennes en flagrant délit de transbordement de carburant sur un autre armement. Une pratique interdite car synonyme de risque de pollution. En effet, l'armateur doit d'abord passer par le service des hydrocarbures comoriens afin de s'acquitter des taxes. Mais face au délit, l'amende s'élève à près de 100 000 euros et doit être impérativement réglée pour que le Maria Galanta regagne Mayotte. En attendant, les reconduites à la frontière, particulièrement nombreuses ces derniers jours, ne peuvent avoir lieu, tandis que le centre de rétention administrative n'est plus à même d'accueillir de nouveaux arrivants. Le 1er octobre 2014, l'école de la deuxième chance voyait le jour. Depuis mars 2015, les premiers groupes de stagiaires ont intégré l'institution qui permet à des jeunes de 18 à 25 ans de reprendre leurs études après avoir quitté le système scolaire. En 2015, 74 jeunes ont ainsi été accueillis, dont 72% sont issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. À ce jour, 100 structures ont reçu des stagiaires de l'école pour plus de 200 stages effectués. Et depuis hier matin, la structure a de quoi se réjouir suite à la signature d'une convention avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Objectif, orienter les élèves par la découverte de différents métiers grâce notamment à la mise en place d'actions d'information à destination des stagiaires. En clair, la CCI et l'école de la deuxième chance vont travailler de pair afin qu'un maximum d'élèves réussissent à s'insérer dans le monde du travail. La concurrence continue de faire rage entre les différentes compagnies aériennes qui desservent l'île au lagon. Lors du récent salon Top Reza, Corsair avait ainsi annoncé la mise en place du paiement des billets en trois fois avec frais, mais sans appliquer cette nouveauté à Mayotte. De quoi faire bondir le crâne, le conseil représentatif des associations noires qui avait mis en demeure la compagnie afin qu'elle revienne rapidement sur cette discrimination. Et c'est désormais chose faite. En effet, Corsair International indique que l'essai va être étendu à Mayotte. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le même jour à La Réunion, la compagnie low-cost French Blue a annoncé que sa nouvelle ligne qui ouvrira le 17 juin offrira des sièges à partir de 498€ sur l'aller-retour Réunion-Paris. De quoi faire trembler les compagnies régionales et se réjouir les voyageurs locaux.
Et vous l'aurez compris, suite à un petit problème technique, toute l'équipe de la rédaction du journal s'excuse. Ce n'était effectivement pas les bonnes informations, en tout cas pas d'actualité aujourd'hui. Pierre Bellouti, bonsoir. Vous êtes avec nous pour développer d'autres actualités, et notamment des grèves à prévoir. Effectivement. Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Effectivement, des grèves à prévoir, deux mouvements à venir. La police. On sait ce qui s'est passé samedi. Tout le monde a suivi l'agression de 4 policiers dans l'Essonne. Plus de 20 individus s'en sont pris à eux, à grands coups de cocktail Molotov, de jets de pierre. Ils sont blessés, gravement brûlés. Notamment, l'un d'entre eux était encore entre la vie et la mort, là dans la journée. Donc le syndicat de police Alliance a décidé de se mettre en grève. En tout cas, ils appellent ça un mouvement de zèle. Donc, ce qui fait qu'ils n'interviendront qu'en cas d'extrême urgence, en cas vraiment de nécessité. Et l'information, c'est qu'au niveau local, le syndicat Alliance devrait suivre ce mouvement. Donc, qui va être défini là. Ils vont décider dans les toutes prochaines heures si ils se mettent en grève ou non. Autre grève au conseil départemental, cette fois au niveau des transports maritimes et terrestres. Ils protestent notamment, ils réclament au niveau du maritime l'accord qui avait été signé au mois d'août dernier. Il n'a pas été suivi d'effet, donc voilà, ils réclament ça. Un mouvement à suivre aussi, j'allais dire presque deux mouvements, oui. Qui sont à suivre dès demain, puisque c'est une grève reconductible à partir de demain. Merci Pierre pour ces informations et on aurait dû le voir dans l'actualité en bref également. On parle de ces feux, de ces incendies qui ont ravagé une partie du sud de l'île ce week-end. Quelles en sont les raisons ? Oui, les raisons, on les connaît, on en parle très souvent, cette culture surbrûlie qui fait des dégâts monstres. Il y a eu plus de 10 feux qui ont été allumés ce week-end, énormément de cultures surbrûlies qui ont été allumées ce week-end, sauf qu'on est en saison sèche. Voire même très sèche, il y a un véritable manque d'eau pour la végétation. Et effectivement, les feux avec les vents qui sont forts se déclarent assez rapidement et parfois dans des zones inatteignables pour les pompiers et voilà, pour les autorités qui sont obligées de voir partir en fumée. Ils ne peuvent rien faire contre des hectares et des hectares qui sont encore partis en fumée. On ne sait pas combien exactement, on parle de deux. Et là, beaucoup montent au créneau, notamment les naturalistes qui en ont marre de ces pratiques parce que effectivement, ça fait très longtemps qu'on parle de déforestation, qu'on parle effectivement pour l'agriculture, qu'on parle également de cette culture surbrûlée qui pose problème, qui est dangereuse et qui est interdite surtout. Qui est interdite. Et là, le maire de Bandrélé aussi, il faut le dire, avec notamment la préservation du littoral, il monte au créneau et il dit stop. Ils ont envoyé un communiqué en disant que maintenant, des sanctions seraient prises parce qu'effectivement, dans la loi, c'est interdit et il y a des sanctions qui sont appropriées à ce genre de pratiques illégales. Et le maire de Bandrélé a rappelé que, notamment au niveau de Sazilé, énormément de cultures surbrûlées dans cette zone, les sanctions seraient à la hauteur de ce que la loi prévoit. Merci beaucoup Pierre pour votre intervention et je vous dis à demain soir. Secteur énergie à présent, afin de sensibiliser à la réduction des consommations d'énergie, les espaces info-énergie de toute la France ont organisé la fête de l'énergie à Mayotte. Une manifestation s'est tenue dans ce cadre samedi dernier, place de la République. L'occasion pour les visiteurs de bénéficier de conseils gratuits, objectifs et de qualité sur des thématiques très variées et notamment sur la rénovation énergétique des logements. Avec 830 visiteurs cette année, la fête de l'énergie a été un véritable succès. Retour sur un événement ludique et convivial organisé par l'espace Info Énergie, soutenu par l'ADEME et l'EDM dans ce reportage signé Adèle Laurent. Période de sécheresse, cours d'eau taris, dérèglement des saisonnalités et donc des récoltes, les impacts du changement climatique sont également visibles à Mayotte. Ces dérèglements sont liés à l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre. Mayotte est dépendante à 98% de l'énergie fossile, dont la combustion engendre ces émissions de gaz. Il est donc primordial de promouvoir les gestes d'économie d'énergie et le changement de comportement sur le territoire, grâce notamment à des événements comme la fête de l'énergie. C'est très important aujourd'hui de rendre accessible au plus grand nombre tout ce qui est conseil en efficacité énergétique, que ce soit au niveau de l'habitat ou transport ou sur de nombreuses thématiques, et de leur expliquer aussi au niveau des particuliers comment, à leur échelle, ils peuvent contribuer à cette transition énergétique.
En effet, des gestes simples peuvent permettre de réduire sa consommation d'énergie. À la maison, par exemple, tout simplement en éteignant des lumières en allant dormir, en sortant d'une chambre, ou bien lorsqu'on choisit son électroménager, bien regarder ce qu'on appelle l'étiquette énergétique qui te donne l'information sur la consommation de l'appareil. Et aussi également, lors des constructions, penser à bien isoler sa maison, histoire de ne pas trop utiliser son climatiseur, par exemple. Énergie renouvelable, travaux de rénovation, équipement électrique, gestes du quotidien. Samedi dernier, les visiteurs ont donc eu l'occasion d'être sensibilisés et de s'informer sur les moyens de réduire leur consommation d'énergie et par la même occasion, leur facture d'électricité. Et c'est important parce qu'il faut faire attention à la nature. C'est ce qui nous aide aussi à survivre, évidemment. Bah déjà, ils ont inventé les panneaux solaires, ça va. Ça nous aide à consommer l'électricité et à ne pas gaspiller plus d'argent. Bah, si la diminution, ça sera mieux parce que les gens, les moins, les plus bas, des gens qui vivent, qui ont la vie moins en rose, peuvent quand même payer voilà, la consommation d'électricité comme ça, ou bien de l'eau. Et le conseil départemental était également partenaire de cet événement. En effet, pour la mairie de Mamoudzou, qui souhaite mettre en place un projet de renforcement et de généralisation de l'éclairage public, il est important de promouvoir les énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire. L'avantage, c'est qu'avec le solaire, nous avons de l'énergie moins chère, mais nous avons de l'énergie propre aussi. Et en plus, ce sera de l'énergie locale. Ça permet de mettre aussi en vigueur, en tout cas en exergue, le savoir-faire maoré. Et que ça permettra aussi de développer ce que nous appelons aussi souvent aussi l'économie endogène. Le conseil départemental a aussi saisi l'occasion de demander à la population, première consommatrice d'énergie, son avis sur le plan climat énergie territorial, qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Ce genre d'événement permet donc de toucher tout citoyen, mais l'ADEME mène également un travail tout au long de l'année avec les entreprises et les collectivités, en les accompagnant techniquement et financièrement. En partenariat avec l'ADEME et l'EDM, on a accompagné la rénovation thermique d'écoles pilotes, et c'est un programme qui va se développer sur tout le territoire suite à cette phase pilote. On aide aussi donc à rénover les quartiers en rue et on participe directement aussi des plans stratégiques du territoire comme la programmation pluriannuelle de l'énergie qui donc donne des objectifs à moyen et long terme pour le territoire en matière d'énergie. Tout un chacun peut donc œuvrer à son échelle en faveur de la réduction énergétique. Pour ceux qui auraient manqué cette fête, les conseillers de l'espace Info Énergie, basé 10 rue Mamaouais, sont présents tout au long de l'année pour informer sur tout ce qui concerne les économies d'énergie. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur KTV et Quasi FM. Dans un instant, ne ratez pas votre événement hebdomadaire sportif avec toute l'équipe de Casport. Au programme, toute l'actualité sportive locale, foot, handball, basket, le tout décrypté par nos spécialistes à partir de 19h40. Demain, retrouvez la matinale dès 6h. Ibrahim Aboubakar sera l'invité du temps de parole et nous doute qu'il fera des annonces très particulières. Quant à moi, je vous retrouve dès demain soir à 19h pour une nouvelle édition du journal. Belle soirée à vous et à demain. Kwaheri.